Good morning, allez, Yiden les tu sois aujourd'hui, les lunes Nishmat Shimon ben Kukam, Ramiuna ben Chana, ainsi que l'Irfo Tolevi, Zerle Shimon ben Chaya, Esther, Inon Chay ben Jessica, Etel Myriam, Léa, Batsara betor Shar, Chol Israël. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle, nous étudions Masechet Psachim, Perigayet Mishnah Bet, Chamez Shel Nochri, Shavar la Pesach, Mutar Beana, Veshal Israël, Asur Beana, Sheneemar, Lo Yera et Lecha. Chametz, Oseor, les deux sont vrais. Et on traduit directement Chametz shel nochri she'avar alav pesach. Le Chametz d'un goy she'avar alav pesach, sur lequel est passé pesach, c'est-à-dire que le nochri il avait possédé du Chametz pendant pesach, le goy possédait du Chametz pendant pesach. Alors là, Mishnah me dit, ben, moutar be'anar, il est permis d'en tirer profit après pesach, même mieux que ça, il est même permis à être consommé. On expliquera ensuite pourquoi ça n'a pas été dit de cette manière. Véchel Israël, tandis que du Chametz d'un juif, entre parenthèses, donc en facteur, chez Avar Lava Pessah, sur lequel est passé le Pessah, c'est-à-dire il y a un juif qui a possédé du Chametz pendant Pessah, alors la Mishnah m'enseigne, Asur Beana, il sera interdit à en tirer profit. Non seulement interdit d'en manger, mais même d'en tirer profit, chez Nehemar, comme dit le verset, Lo Yerae Lecha Chametz Oseor. Tu ne verras pas, il ne sera pas vu chez toi du Chametz. On explique un petit peu mieux. Mishnah relativement simple. On parle donc de l'interdit de posséder du Chametz en Pessah. Entre parenthèses, situation assez fréquente en France, chez les juifs non religieux qui possèdent des supermarchés. Et c'est fréquent, malheureusement. Et ça pose des graves problèmes, parce qu'en fait, tout le Chametz qu'ils avaient dans le magasin, qu'ils n'ont pas vendu, bien évidemment, et eh bien dans ce cas-là, on n'aura pas le droit d'en tirer profit après Pessah, d'accord? Je me souviens, quand j'étais petit, il y avait au Rhinci, il y avait malheureusement un cas qui se présentait fréquemment tous les ans. On disait aux juifs pratiquants de ne pas aller acheter dans ce magasin jusqu'à telle date qu'il épuisait tout son stock de Chametz. Plus précisément maintenant, le Chametz du Goy lui-même, alors la Michal me dit, ben, après Pessah, tu as le droit d'en tirer profit parce que le Goy n'a transgressé aucun interdit. Serge, je vais commencer plutôt par le problème. On a deux cas de figure, il y a le cas du Chametz qui appartenait au Goy, et le cas du Chametz qui appartenait aux Juifs. Le premier est permis, le deuxième est interdit à la consommation. La Mishnah me rapporte un passouk qui n'a apparemment pas de rapport, c'est là la difficulté. « Sheneemar lo yerelecha Chametz, que tu ne verras pas en toi, chez toi du Chametz. » D'accord, ça veut dire que je n'ai pas le droit de voir du Chametz, nous. Et alors, ça veut dire quoi? Quel rapport avec l'interdit de consommer du Chametz après consommation? Après, une fois que le Pessah est passé. En fait, la Gemara propose deux interprétations rapportées dans le Barthénora. De manière générale, l'interdit de consommer du Chametz après Pessah, lorsqu'on a transgressé l'interdit de posséder, c'est un interdit Médérabanan, un Knas, une amende que Chachamim ont fait sur ce Chametz, comme ça les gens ne vont pas commencer à conserver du Chametz pendant Pessah. Et ça, c'est parce qu'il a possédé du Chametz pendant Pessah. Donc, à cause de l'interdit de Lo Yerae Lecha Chametz, tu ne verras pas chez toi du Chametz, alors Chachamim, parce qu'il y a cet interdit de ne pas posséder pendant Pessah, Chachamim ont interdit le Chametz après Pessah. Mais il y a même aussi, c'est une première lecture qui propose le Barthénora. Deuxième lecture du Barthénora, c'est d'insister le Lecha Chametz. D'ailleurs, ça, on va en parler dans la prochaine Mishnah surtout. Tu ne verras pas à toi du Chametz. Soit le Chametz que j'ai chez moi, qui m'appartient à moi, je transgresse l'interdit de le posséder, donc il y aura un interdit sur lui après Pessah. Tandis que le cas de la Reisha, de la première partie de la Mishnah, le Chametz, qui était un goy, même si géographiquement il était chez moi, on précisera davantage dans la prochaine Mishnah, mais pour le moment on parle du Chametz d'un goy qui était chez moi sans que j'ai aucune responsabilité sur lui, eh bien je ne transgresse pas d'interdit parce que le Chametz n'est pas à moi. C'est pas le Yirael Lecha Chametz. D'accord? Parce que le Chametz il appartient au goy. De ce fait, il est permis à la consommation, c'est pour ça que la Mishnah a apporté ce verset. Une autre petite précision, il y a deux interdits, l'interdit de consommer et l'interdit de tirer profit. La Mishnah, dans la première partie de la Mishnah, elle m'a dit, tu sais, le Chametz du Goy, tu as le droit d'en tirer profit. Elle a parlé un petit peu trop pudiquement, trop gentiment. C'est pourquoi j'ai le droit d'en tirer profit, j'ai même mieux que ça, j'ai même le droit de le manger. Alors pourquoi tu me dis, j'ai juste le droit d'en tirer profit? Deux interprétations dont Barthénora, de nouveau. Une interprétation qui dit simplement, c'est fréquent dans la Mishnah, en parallèle avec la fin de la Mishnah, on a dit que le Chametz du Juif, même en tirer profit, tu n'auras pas le droit de le faire. C'est pour ça que dans la Reisha, on a gardé la même expression en disant que tu as le droit d'en tirer profit. Mais réellement, tu as même le droit de le consommer. Soit deuxième interprétation aussi, ça fait allusion au fameux interdit du pâte palter, du pain que le goy fait cuire. C'est une vaste
discussion, est-ce qu'on a le droit de le manger ou pas, lorsqu'il appartient au goy, que le goy c'était un professionnel, c'est un boulanger. Il y en a beaucoup qui permettent, en France en général l'usage il était de permettre, pâte paltère, le pain du boulanger, spécialement. Mais comme il y en a qui sont nohagim, ils sourds, il y en a qui ont un usage de ne pas le manger, alors la Mishnah elle n'a pas voulu dire t'as le droit, elle a pas voulu dire t'as le droit de le manger, parce que c'est pas vrai. C'est pas interdit de le manger, mais c'est pas forcément permis non plus de manger. D'accord? Donc du coup la Mishnah elle a préféré parler par rapport au fait d'en tirer profit. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salah.